bord de mer ou montagne? Bah, montagne. Bah, forcément. Quelle question bête. Printemps ou automne, ah, c'est dur à choisir parce qu'ils ont tous les deux leurs avantages. Peut-être printemps, parce qu'en fait, automne, on a un automne un peu genre fantasmé. Les feuilles, le chocolat chaud, les citrouilles, il y a tout. Alors qu'en fait, juste il pleut, il fait froid, c'est la merde. Insouciance ou maturité? Insouciance. Crayon ou tablette graphique? Tablette graphique, parce que ça va beaucoup plus vite et que sans tablette graphique, je ferais sûrement pas de la BD parce que ça prend trop de temps et que le pomme Z est très utile. Saint-Malo ou Bordeaux? Bah, je veux dire Bordeaux, désolé Saint-Malo, mais je viens de Bordeaux du coup. Chien ou chat? Bah, chien, clairement. Les chats, c'est juste des petits bâtards, alors qu'un chien, ça t'aime, alors qu'un chat, juste, il est là pour des croquettes. Série TV ou BD? Ah, c'est bien dur. BD, je dis plus de BD que enfin, de série. Dédicace ou interview? Dédicace, parce que tu rencontres les gens et c'est toujours hyper intéressant de leur parler. Toujours plein de choses à raconter et c'est toujours hyper cool comme échange. Gravity Falls ou Adventure Time? Non! Non, je ne peux pas choisir! Ah! Donc c'est comme choisir entre papa et maman. Ah! Alors si je vais choisir, je pense que je dirais Adventure Time parce que c'est la première série qui m'a permis de faire du dessin en me disant ah ok, c'est genre des bras mous, genre des proportions pas forcément respectées et c'est genre un peu, on dirait n'importe quoi même si finalement c'est pas n'importe quoi. Et ça m'a vraiment débloqué en me disant bah en fait je peux faire de la BD et je peux dessiner, il n'y a pas besoin de bien dessiner comme pas mal de séries françaises ou même faire autre chose que de la BD style faucon belge. Et donc ouais, Adventure Time, même si Gravity Falls c'est génial. Spirou ou Aubépine? Bah... Aubépine c'est un peu mon bébé, mais Spirou c'est un peu... Après je vais être honnête, et genre j'ai super honte, j'ai vu vraiment pas beaucoup de Spirou, et c'est pas bien quoi, j'en lis plus. Donc on va dire Spirou. Dupuis ou concurrence? Bah... on va dire Dupuis. Le génie Sadego ou le renard Furex? Alors en termes d'album, je dirais le renard Furex. Mais en termes de personnage, le génie Saligo. Takada ou Carensac? Carensac, c'est des bonbons. Carensac, même si... En fait, non, en fait, Takada, parce que c'est meilleur que les Carensac. Carensac, c'est dégueulasse. Enfin, non, c'est bon, mais bon, c'est pas terrible non plus.